Bonjour tout le monde. Bon, toujours la même chanson avec cette équipe. Hein. On est nul à chier cette année, hein, faut se le dire. Hein. Enfin, faut se le dire, vous le savez déjà qu'on est nul à chier. Mais là, première mi-temps, nul à chier. Il y a une amie qui m'a dit, d'ailleurs je t'embrasse, c'est un somnifère le match. J'avoue, comme d'avis, parce qu'elle habite en Charente, elle n'a pas pu se déplacer. Franchement, je te comprends. Mon ami, t'as bien dû te faire chier devant ton ordi, comme tu m'as dit. Hein. Enfin bref. Ensuite, juste avant le match, tu vois, je suis allé dans un bar avec un ami. Tu bois un peu, tu vois. Bon, on n'a pas trop bu, tu vois. Tu bois un peu. Mais j'ai l'impression que c'est pas nous qui sommes allés au bar, tu vois. J'ai l'impression que c'était les joueurs quand même. Parce qu'il faut y aller. Putain, première mi-temps, nul à chier, et surtout, putain. J'ai fait un cours d'art plastique. J'ai fait un petit cours d'art plastique, tu vois, vite fait, tu vois. Pour m'amuser pour la vidéo, tu vois, parce qu'il faut essayer de retrouver un peu le sourire, tu vois. Attends, regarde. Il est ouf. Regarde bien. Merde. Carton rouge. Ça représente le carton rouge. Parce que quand même, on est fort. Se prendre 3 buts. Alors que t'as 11 contre 10. Contre Angers. Excuse-moi, mais là, ça passe pas là. Là, franchement, je me suis dit, mais ils se foutent de notre gueule. Hein. Enfin, depuis le début de la saison, les trois quarts de joueurs, des joueurs, pardon, ne savent même pas ce qu'ils ont sur. Sur le torse, sur le. Tiens, ils portent un maillot, mais ils savent même pas ce que c'est. Parce que, quand même, Bordeaux, tu vois, c'est un club historique de la Ligue 1, mais les trois quarts des joueurs ne savent pas. Enfin, bref. Toujours la même chanson. On en a marre, comme on dit, on vient chez nous, on a chanté, on en a marre. Moi, j'ai chanté pas pour les joueurs qui étaient sur la pelouse, parce que, bon, certes, il y a certains joueurs que j'apprécie, comme Guibert, qui mouille le maillot. Il y a qui d'autre qui mouille le maillot. Il y en a pas beaucoup, mais moi, Guibert, c'est celui que j'adore le plus. Franchement. En ce moment. Mais hier, comme je disais, j'ai chanté pas pour les joueurs, mais pour le club Les Girondins de Bordeaux. Enfin bref. Parce que moi, je sais pas où on va en venir. Hein. Bon, peut-être que le maintien est assuré. L'année prochaine, il va falloir se renforcer, monsieur les dirigeants. Il va falloir se bouger un peu le cul pendant le mercato d'été. Il faudra pas aller aux fêtes de Bayonne ou je sais pas où là où tu vas aller là, mais. Non mais je dis n'importe quoi, mais. Bougez-vous là, le carton rouge là, oh les joueurs. J'espère que Ramé va vous dire, hein. Vous êtes à 10 contre 11. Enfin à 11 contre 10. C'est une honte. Enfin, c'est une honte. Parce qu'à mon avis, on est peut-être les le je sais pas si on est les premiers à avoir pris 3 buts alors qu'on est en 11 contre 10 cette année. À mon avis, je pense. On est fort. Hein. Voilà, j'ai plus de mots, il n'y a plus rien à dire. La saison est quasiment finie, on va se maintenir avec que dalle de points d'avance. Moi, je mets pas en faute la ramée sur la compo. Même si j'aimerais avoir Taline Rolan en attaque, Malcolm titulaire, Vada titulaire, Rambari en tribune, Diabaté en tribune. Bon, certes, c'est des choix. Mais je sais pas, les joueurs, défoncez-vous. Je sais pas, vous choisissez vos matchs. Contre Monaco, vous êtes battu, vous l'avez fait. Comme a dit Pierre Ménès, j'ai l'impression que quand on est défensif, on joue mieux. On se fait chier, certes, mais on gagne. On ramène un point comme Marseille. Mais quand on doit attaquer, on est nul à chier. Il a peut-être raison. Hein. Enfin bon. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Je rencontre de plus en plus de monde, hein, honnêtement, au stade. Des gens me parlent. Parce que tu vois, le direct, c'est familial, tu vois. Tout le monde se parle, tout le monde pas se connaît, mais presque, tu vois. Tu dis, ah, qu'est-ce que tu penses des Girondins, etc. Et ben hier, c'était pas au stade, mais quand je suis rentré en tram, j'ai parlé avec une personne âgée qui avait à peu près 85 ans, tu vois. Mais ça fait quand même 50 ans qu'il est abonné, tu vois. Au Vira Sud. Il n'a pas bougé, le mec. Il m'a tout expliqué. Bon, c'est une personne âgée, tu vois, ça parle beaucoup, tu vois. Mais franchement, il m'a dit, ça me fait mal, tu vois. Tu vois, mais comme ça, ça me fait mal. Je l'aime, ce club. J'ai le cœur marine et blanc. Il m'a dit comme ça. Et moi, franchement, tu vois, ça m'a surpris, tu vois, des personnes âgées qui te parlent comme ça, avec le cœur comme ça. Et ça se voyait qu'il, quand il parlait, il était heureux de parler de ce club, tu vois. C'est quasiment sa vie, tu vois, à ce monsieur. Et moi, je le respecte, même quand je suis sorti du tram, parce qu'après il descendait après lui. Je lui dis, respect monsieur, respect. J'ai que du respect pour vous. Et les joueurs ne savent pas qu'il y a des joueurs, il y a des personnes âgées comme lui qui supportent le club depuis tant d'années, ou il y a des personnes comme un ami qui fait 350 km tous les deux semaines pour venir au stade. Ça, ils ne le savent pas les joueurs. Mais bon. Non. Continuons à supporter notre club, pas les joueurs. Hein? Et bon, ramé.
S'il te plaît, signale-leur que qu'ils étaient en contre 10 quand même. Bon allez. À plus tout le monde, essayez de passer un bon dimanche. Et passez de bonnes vacances ceux qui sont encore en vacances. Et voilà. Allez. Allez Bordeaux et pensez pas trop aux Girondins en ce moment.